vos lotions. Attendez, je vous montre. Vous prenez votre lotion comme ça, votre crème, et vous mettez dans votre paume de main. Par la suite, vous venez ici, vous rajoutez votre gel dedans, votre huile, tout simplement. Quelques petites gouttes, d'accord? Vous le faites comme ça, bien dans votre main. Vous voyez? Voilà. Et comme ça, vous pouvez appliquer tout simplement sur votre peau. Et quand vous appliquez vos lotions sur votre peau, ne vous bagarrez pas avec votre peau. Faites pénétrer tout doucement avec des mouvements circulaires. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi éventuellement utiliser vos lotions de cette manière-là, tout doucement. D'accord? Allez-y comme ça. Hello mes caramels, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo là. Dans cette vidéo, on va continuer plus ou moins dans notre nouvel concept qui est de duo, des combos, vraiment de comment vous devez combiner vos lotions, vos crèmes, tout ça. Parce que, en fait, le but, c'est que vous arrêtez, bon, pas que vous arrêtez, hein, mais que tout le monde ici puisse trouver quelque chose qui correspond à sa peau. D'accord? Donc, j'essaye vraiment de mon mieux de combiner les choses qui vont vraiment pour vous aider à tout type de peau ici. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, j'ai deux lotions. J'ai lotion avec moi, un lait, voilà, pour le corps. Et j'ai de l'huile et juste de savon. Donc, j'ai trois choses ici à vous proposer aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir suivre les conseils des choses qui vont venir avec ça. D'accord? Donc, bienvenue à toi si tu es de passage ici, nouveau, nouvelle. D'accord? Installez-vous dans notre communauté Team Caramel. Et gros coup de cœur, c'est vous, mes petits bébés caramels. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai ici avec moi de lotion pour le corps, l'huile hydratante nourrissante pour la peau et de savon, d'accord. Dove, je vous ai déjà fait la vidéo sur cette lotion là. Ce Dove, comme vous savez, ça sent super bon. Comme vous savez, Dove, c'est cette marque là aussi, ça travaille sur la peau, d'accord. Ça hydrate la peau, cela nourrit aussi la peau. Donc, si je décide de vous faire des lotions comme ça, c'est il a un fini qui est fluide, hein? C'est fluide, ça pénètre dans la peau et cela agit bien dans notre peau et te sort de l'éclat de ta peau, tout simplement. Ce sont des simples lotions qui sont efficaces, d'accord, pour la peau ici. Oui, et puis c'est super intéressant ici. Pourquoi? Parce que dedans, c'est de crème, hein, d'accord, c'est pas du tout de lotion, c'est de crème. Parce que comme je vous ai dit, il y a différence entre crème et simple lait, d'accord? Simple lait ici pour le corps, c'est tout simplement léger. C'est pas lourd. Lotion, c'est lourd, léger. Mais par contre, quand on vous parle des crèmes, les crèmes ont tendance à être plutôt lourd, consistant, d'accord? Voilà. Mais cette crème-là, c'est plutôt pas mal parce qu'on trouve des céramides dedans. On trouve aussi des sérums qui sont à l'intérieur et c'est super intéressant pour la peau. Donc, ils ont dit que c'est crème pour le corps tout simplement et pour tout type de peau. Voilà. Donc, c'est très, très intéressant ici. De peau sèche, peau mixte, peau grasse, de peau normale, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez en utiliser, c'est hyper bon. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, je crois que c'est plutôt short si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est très bien tant que ça vient comme ça. Et une fois que vous passez sur votre peau, vous voyez, c'est... ça sent vraiment bon. Hein? Donc, cela pénètre sur votre peau. Vous voyez? Voilà, c'est déjà pénétré dans la peau. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc, c'est très, très efficace. Cela va vous nourrir la peau. Et pour les gens qui ne savent pas trop où s'orienter niveau crème, lotion, et bien voilà, ce sont de très bonnes choses à faire. Ça là, je l'ai pris à Action pour un truc de moins de 5 euros, hein, d'accord. En tout cas, c'est moins de 5 euros si je ne me trompe pas. En tout cas, entre 2 à 3 euros. Alors, cette lotion là, vous pouvez utiliser le matin tout comme le soir, d'accord. J'avais fait passer sur mon visage, mais comme j'ai pas l'habitude de mettre des crèmes pour le corps sur mon visage, donc je vais dire, je vais pas tenter le, je vais pas prendre le risque. Hein. C'est comme ça, d'accord. Je mets seulement sur la peau, d'accord. Donc, ce sont des réserves, ce sont des choses qui ne me manquent pas à la maison. Au cas où, si j'ai rien, si j'ai pas grand chose, au cas où s'il n'y a rien à mettre sur ma peau, bah voilà, je peux prendre directement, mettre sur la peau si je veux quelque chose de léger pour pouvoir sortir en été, des choses comme ça. Voilà, voilà, c'est déjà rentré, c'est super. Donc, on va passer ici automatiquement à l'huile. L'huile, ici, c'est tout simplement de cheveux.
vaseline. Voilà, donc on a l'huile de cheveux Vaseline de chez Cacao Radiance qui est, c'est comme du gel, hein, d'accord? Je vous ai déjà fait la vidéo la dernière fois sur cette huile-là. C'est de gel, de l'huile. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais gel pour le corps, gel huile, on peut dire ça, d'accord? Donc c'est plutôt comme du gel, hein, parce que comme vous pouvez voir, comme ça, cette texture, vous voyez? Voilà, lui, texture, ça vient comme ça. Ça fait un truc genre comme de l'aloe vera. Vous voyez, ça vient comme ça. Voilà. Donc, c'est pas du tout comme de l'huile qu'on a l'habitude d'utiliser. L'huile que dès qu'on met sur la peau, ça coule, non. C'est plutôt consistant, d'accord? Et ça, cela pénètre aussi dans la peau. Cela hydrate la peau. Vous pouvez voir, hein? Voilà la différence entre les deux. Voilà, différent entre les deux mains, celui-là que j'ai appliqué et celui-là, rien du tout. Donc, vous voyez comment ça laisse vraiment, ça illumine votre teint. Cela va vous hydrater en profondeur. J'aime beaucoup cette huile-là. À chaque fois avant, je n'avais pas l'occasion de tomber dessus, hein, franchement, mais c'est hyper bon. Et puis, ils ont dit que c'est 100% naturel, hein, à base de cacao, d'accord? Et on adore les cacao ici. On adore les cacao. Parce que cacao, je préfère beaucoup plus utiliser cacao que utiliser karité, d'accord? Mais karité, ça reste un ingrédient un ingrédient vraiment incontournable qui est très efficace pour le côté l'hydratation nourrissant en profondeur qui répare la peau, d'accord? C'est la plupart des lotions que moi j'utilise, c'est à base de cacao, d'accord? Cela hydrate, illumine, donne de l'éclat à la peau, régénère la peau. Si tu as eu des problèmes de la peau qui est abîmée, ben, tu peux te lancer là-dedans. Voilà, vous voyez tous ces problèmes-là, la peau qui se pèle, vraiment la peau qui pèle, vraiment côté hydratation, il n'y a pas moins. En tout cas, cela, j'ai aussi appliqué sur mon visage, hein, vraiment, ça fait l'affaire. Je n'ai pas eu de réaction négative parce que mon visage est souvent sensible. Si je mets des choses qui ne correspondent pas, alors je vais vous dire, dans 2-3 jours, je commence à avoir des petits poussées de boutons qui commencent souvent à pousser ici. Donc, je stoppe immédiatement. Attendez, je vous montre quelque chose à faire. Vous prenez votre lotion. Vous voyez comme ça. Vous pouvez prendre votre lotion comme ça, votre crème, et vous mettez dans votre paume de main. Par la suite, vous venez ici, vous rajoutez votre. Jette dedans votre huile, tout simplement. Quelques petites gouttes. D'accord? Vous le faites comme ça, bien dans votre main. Vous voyez? Voilà. Et comme ça, vous pouvez appliquer tout simplement sur votre peau. Et quand vous appliquez vos lotions sur votre peau, ne vous bagarrez pas. Quand je dis ça, il y a une caramelle qui fait répéter ça fait rire. Ne vous bagarrez pas avec votre peau. Faites pénétrer tout doucement avec des mouvements circulaires. Voilà. Donc, vous voyez? Vous pouvez aussi éventuellement utiliser vos lotions de cette manière-là, tout doucement. D'accord? Allez-y comme ça. Vous faites des mouvements circulaires sur votre peau et cela pénètre, cela vous hydrate ici. Et c'est parfait. Donc, vous pouvez aussi utiliser comme ça, vous voyez? Voilà. Donc, comme ça, vous n'avez pas la peau aussi qui brille beaucoup, mais c'est raisonnable parce que c'est mélangé avec votre lotion et c'est top comme ça. D'accord? Donc, voilà le système que vous pouvez utiliser avec vos lotions ici et c'est parfait. La crème, vu que c'est pas très très lourd, très très consistant, c'est fluide et tout ça léger. Et combiné avec cette huile-là, qui est un petit peu aussi consistant et tout, donc vous voyez, c'est l'explosion. D'accord? Donc c'est vraiment waouh, c'est top top. Texture ici, ça devient un petit peu léger, voilà. Nanana. On va passer au second ici, votre savon. Ici, je vous ai ramené aussi le savon hydratant de la marque Hiver G. Voilà, c'est. Je vous ai déjà fait la vidéo là-dessus, hein, sur ces savons-là.
C'est de savon hydratante, non, tout simplement hydratante, voilà. Voilà, moi j'ai acheté les savons comme ça. C'est pour pouvoir mettre de côté et après les râper et faire la composition de mes savons. Voilà pourquoi moi j'ai tendance à acheter mes savons. Une fois que je fais la vidéo avec vous, toutes les vidéos qu'il le faut hein, sur les différents types de savons ici, et au final je les râpe tout pour pouvoir fabriquer souvent mes savons que je vous montre là, d'accord? Parce que j'ai l'habitude déjà d'utiliser que le savon comme ça. Je ne veux pas trop utiliser les savons simples comme ça. Voilà. Donc voilà votre savon hydratant. Pourquoi savon hydratant et pourquoi pas gel douche? Tout simplement, si vous voulez utiliser du gel douche, hein, mes caramels aussi, il y en a beaucoup aussi qui préfèrent du gel douche. C'est pas mal, moi aussi j'aime beaucoup du gel douche, surtout aussi de cette marque-là de chez Iverchin, qui est surtout hydratante et qui est plutôt pas mal. Donc voilà, vous pouvez aussi vous diriger sur peu importe les gels douche qui travaillent pour vous, hein, peu importe. Et si vous avez aussi des très très bons savons, ne changez pas. Je vous dis à chaque fois de ne pas changer les choses qui fonctionnent pour vous, que ce soit en lotion, au niveau de lotion, que ce soit au niveau de l'huile, que ce soit au niveau de vos savons ou gel douche, d'abord tous ces trucs-là. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous correspond, qui respecte votre peau, qui ne vous agresse pas, qui ne vous abîme pas, qui ne vous décape pas vraiment la peau, donc vous pouvez rester dessus, il n'y a pas de souci. Et tout ce que je propose ici sur la chaîne, c'est que ce que des bonnes choses pour votre peau. Il n'y a pas des choses que je vous propose ici qui vous agressent la peau ou qui vous décapent la peau, qui vous laissent qui vous abîment la peau, quoi. D'accord? Parce que je sais de quoi je parle, donc c'est hyper important tout ce que je vous dis. Je fais très attention à mes sélections et la plupart des choses que je vous propose sur la chaîne, je l'ai déjà utilisé, d'accord? La plupart, quand je dis presque tout, en fait, j'ai utilisé avant de vous proposer comme ça. Je sais que si j'ai eu des soucis avec, ou mon entourage qui a eu des soucis avec, ben on ne va pas vous proposer, d'accord? Donc voilà. Parce que ça m'a déjà arrivé avant. Je ne savais pas avant. Hein. Je ne connaissais pas, je ne savais pas faire la différence entre simple savon et savon hydratant. D'accord? Et les savons hydratants ici, quand tu finis de te laver, la peau ne va pas te tirailler, ta peau ne va pas assécher. Tu ne vas pas te retrouver avec une peau sèche à la sortie de ta douche, d'accord? Voilà la différence et c'est plutôt pas mal, hein? Parce que quand tu sors déjà, ça t'agresse la peau, ta peau est sèche, hein? Pour pouvoir mettre les lotions, tout ça, c'est pas l'idéal, d'accord? Il faut que la peau doit être souple, vraiment léger, afin qu'on puisse travailler sur la peau. Donc, je vous propose cette savon-là. Et que si vous avez vos savons qui fonctionnent, restez là-dessus, d'accord, ne changez pas. Mais en tout cas, ce savon-là, c'est juste le savon hydratant qui va nettoyer ta peau en profondeur, éliminer tous les problèmes des imperfections. Parce que c'est des très très bons savons. Vous pouvez même mettre dans votre main, mouiller bien, déposer sur votre visage, laisser un peu. Une fois que vous avez fini de vous frotter le corps, et vous pouvez laver votre visage, d'accord? Et tout simplement, n'oubliez pas votre éponge de bain que je vous ai déjà montré. Enfin, que vous pouvez utiliser voilà, les gants, des petites choses comme ça pour le bain plutôt, qui va exfolier votre peau. En même temps, si vous n'avez pas envie, vous ressentez pas le besoin de vous gommer votre peau avec les gommages chimiques ou peu importe là. D'accord? Vous pouvez tout simplement utiliser vos éponges de bain qui va faire aussi l'affaire parce que cela, c'est de meilleur. L'exfoliant qui va exfolier votre peau, qui enlève la peau morte, préparer votre peau, enlever les saletés, les impuretés, et vraiment toutes les saletés qui se sont incrustées dans votre peau. Super, cela va vous nettoyer la peau en profondeur afin que vous vous retrouviez une peau très très douce, lisse et souple, d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc vraiment, mes caramels, voilà votre 3-3 combo ici à utiliser. D'accord? Donc c'est super pour tout type de peau. Si vous voulez donner de l'éclat, de l'hydratation, nourrir votre peau en profondeur, alors là, vous avez tout ici. Comment vous allez faire pour maintenir votre belle peau, maintenir l'éclat de votre peau. D'accord? C'est super, super important et c'est super efficace. Donc voilà votre duo ici, votre combo à utiliser vraiment avec ou sans modération. C'est super, cela va vous unifier le teint, va vous garder l'éclat, va vous laisser votre peau très très douce. Voilà, les fesses des bébés. J'ai fait le tour avec vous et en tout cas prenez soin de vous. D'ici là, que le Saint-Esprit nous garde. Voilà, prenez soin de vous et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.